Se libérer. Simplement s'évader pour voir quelques couleurs de plus. Comme là-bas où s'étend l'infini, là où les nuances se mêlent pour s'étreindre et s'éteindre. Tout est trop rectiligne sous les regards fuyants. Yann, Eva, Fabrice, Laurence, Christian, ils sont 5 slam-timbanques et chacun écrit son slam bien à lui. Une troupe tente de taper des mots de tôt à tard dans la soirée alors quel tracas tu quand tu tacles tes pensées? Je vous le demande. Une troupe tente de taper des mots de tôt à tard dans la soirée alors quel tracas tu quand tu tacles tes pensées? Ouais, mes textes sont pas engagés. Mes textes, c'est pas d'aspect politique ou d'aspect sociétal. C'est surtout des choses issues d'une pensée un peu folle. C'est ma folie intérieure que j'essaie de contenir tout le temps, qui explose en fait lorsque je monte sur scène avec le slam. Je t'ai voulu et je t'ai eu, charnellement nous ne sommes plus. Comme ça tu m'as donné ton corps, mais voilà moi j'en voulais encore. Ni de ton cœur ni de ton âme, je n'ai reçu aucune flamme. T'es resté complètement muet, ton indifférence a tout gâché. J'essaye de pas tomber dans le cliché, le slammer ou l'écrivain, le regard d'écrivain sur cette société pourrie. J'essaie de faire ça de manière un peu plus caustique, un peu plus avec un peu d'humour, avec un peu de désespoir aussi, effectivement. Régulièrement, les slam-timbanques organisent des scènes ouvertes au public. Tout le monde peut faire du slam, en fait. Le principe, c'est de venir sur scène et de dire son texte ou de dire un texte qu'on aime bien d'un chanteur ou d'un poète. Et c'est ouvert à tous. Tout le monde peut s'exprimer de la manière qu'il veut, jouer son texte ou alors simplement lire. Je fourre 2 disques durs externes dans le grille-pain, une merveille de technologie Areva qui trie les miettes par taille. Réchauffe un méchant café, hier il m'avait dévoré l'estomac, giclée d'huile de vidange dans mon saladier, sort la confiture de pied de cochon et le saindoux d'obèse. J'ai essayé d'écrire moi-même du slam. Enfin, pour moi le slam ce n'est autre que de la poésie, puisque en principe il faut que ça rime. On n'est pas que là juste pour lire un texte qu'on a écrit sur un bout de papier. On est là aussi pour faire vibrer le public avec nous, qu'on soit pas les seuls à aimer ce qu'on fait. Voilà, il faut réussir à faire partager ses émotions et c'est pour ça qu'il y a toujours besoin. Enfin, moi en tout cas, je le joue comme ça, d'avoir un jeu, oui, sur scène. Les slam-timbanques cherchent de nouveaux slameurs pour monter une pièce de théâtre en slam. Détonation de notions éruptives ou éruption d'une nuée d'idées, des nuées d'intérêts. Déviation, divagation, dégression, déflagration, cheminement insensé, d'un shooter grillé, cramé, aux pensées enflammées. Bouillonnons ensemble, mes frères, bouillonnons.